mobilisation des os de l'avant-pied. Je vais mobiliser les cunéiformes, les métas, les phalanges. Pour mobiliser les cunés, je vais utiliser les métas comme des baguettes et puis travailler vers le haut, vers le bas, des petites rotations. Vers le haut, vers le bas, des petites rotations. Pour mobiliser mes métas, je les mobilise les uns par rapport aux autres. Donc je les prends par deux. J'en avance un pendant que je recule l'autre. Pour mobiliser les métatarso-phalangiennes, je mets un contre-appui sous la tête du méta et tout doucement, je fléchis l'orteil. Et je prends soin particulièrement du premier rayon qui peut souvent être primaire par rapport aux lésions du pied. Je maintiens mon arrière-pied, je saisis mon premier rayon, je tracte un petit peu, je l'écoute et je le rééquilibre dans tous les mouvements qui s'imposent à moi. Tout doucement, j'accompagne dans les mobilités jusqu'à ce que je sente un mouvement fluide, lémniscatoire. L'articulation entre le premier méta et l'orteil ne se mobilise pas en forçant. Je tracte un petit peu et j'écoute et j'équilibre de manière à ne pas abîmer cette articulation qui est plus fragile, hein, qui peut aussi contenir un os sésamoïde.